Le mécanisme opérationnel de coordination a pour mission la sécurisation des personnes et de leurs biens. Donc, dès que les moyens seront mis en œuvre pour effectuer des patrouilles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sera chose faite. Le moral qui revient avec tout le temps qu'on a fait pour attendre l'arrivée du MOG, vraiment, nous avons beaucoup d'espoir qui renaît avec l'application de l'accord, avec tout ce qui s'ensuit au niveau du MOG et aussi, surtout, le point très sensible qui est la sécurité que le MOG va gérer. On est vraiment tranquille. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est des éléments qui, il y a des jours passés, se tiraient dessus, mais qui se retrouvent, qui vont partager les mêmes repas, qui vont partager les mêmes toilettes, qui vont partager les mêmes tentes. Ça, c'est très important dans le processus. Et je pense que le processus pour la paix est là, le processus pour la réconciliation est là. Donc, nous n'avons besoin que de l'accompagnement des populations. Et il faudrait bien que cette population se dise que ce MOG, c'est l'émanation de cette population. Ce sont vos fils, ce sont vos enfants, ce sont vos frères que vous devrez assister. Ne dites pas que ce MOG-là, oui, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, mais c'est vous. Vous devez les adopter. Et je pense que c'est important que la population soutienne ce bataillon.